difficile de parler de la mort d'un collègue. Mastadi, artiste-rappeur, reconverti en animateur, a posé des jalons pour l'épanouissement d'Espace TV. Le journal rappé où il a imprimé son empreinte en est une parfaite illustration. Klimpoko, son ami et collègue de tous les jours, n'en revient pas. Ma maman, elle est décédée lorsqu'on m'a dit, j'ai plus le courage. C'est après, c'est après ces jours que j'ai coulé les larmes. Mais ce qui concerne Mastadi, dès qu'il m'a, ils m'ont dit, j'ai commencé à verser les larmes parce que je sais la souffrance que le jeune a subie. Mastadi que je connaissais avec l'énergie. Quand il te parlait dans ces derniers temps, il n'avait pas d'énergie, affaibli, tout ça là, ses yeux étaient jaunes. La maladie l'a terrassé. Allah l'a repris en ce 27e jour du mois de Ramadan. Comme il faut s'en aller, il s'en va avec une carrière bien garnie et un nom ineffaçable. Je retiens de lui quelqu'un qui aimait ce job-là. Et je commence à me poser des questions. Comment trouver quelqu'un qui va le faire en français? C'est parce que déjà, c'est vrai que Klimpoko le fait très bien en sous-sous, mais puisque c'est lui qui tenait le lead de tout ça, c'est un vide. L'emblématique artiste célèbre de la compilation Saga Hip Hop dans les années 2000 avait passé 6 mois couché avec une maladie qui aura finalement raison de lui. Dans la famille mortuaire, les retours pleurent et à l'indignation. Franchement, les mots me manquent. Je suis dépassé par l'événement. Mais bon, le bon Dieu a décidé ainsi. Moi, on ne peut que se remettre à cela. Franchement, je n'ai rien à dire. En ce moment, je suis sous le choc. Et les mots me manquent en tout cas. Amoureux de la musique et de la lecture, Mastadi se couche à jamais avec toute l'énergie qu'il déployait pour le bon travail. Les esprits de supériorité, le travail immérité, mal payé, une Guinée développée.